merci. Donc, nous sommes venus ici sur instruction de M. le ministre pour rencontrer les responsables de Gts-Sa. Donc, je suis venu avec les équipes techniques de Gts-Sa. Ceci entre dans le cadre de l'éventualité d'une reprise du trafic sur l'axe Gts-Sa-Tivaoune-Mékhé. Comme vous le savez, sur cet axe-là, l'État a concédé la voie ferrée à notre partenaire Gts-Sa. Donc il est tout à fait naturel que dans cette perspective, que nous puissions les rencontrer et discuter avec eux. Alors les discussions ont porté notamment sur l'aspect sécuritaire. Vous savez que le transport de voyageurs doit répondre à des contraintes de sécurité, donc ce que nous avons noté. Mais également, il s'y ajoute que Gts-Sa a aussi ses contraintes de sécurité compte tenu de son trafic ferroviaire concernant le transport minier. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui nous a réunis. Et je peux dire que nous avons réussi à discuter, en tout cas de façon ouverte, en espérant que, au terme donc de nos comptes rendus que nous ferons aux autorités, nous aurons des points de convergence pour pouvoir démarrer les activités au premier trimestre 2021, comme nous l'avons prévu dans notre programme de relance des activités ferroviaires. Les contraintes ne sont pas insurmontables, ce sont des contraintes mineures liées à des aménagements que nous allons faire pour accueillir les passagers, nos clients, notamment à travers la construction d'abris voyageurs à Ndiassan, à Pire. Donc ça, c'est des contraintes qui sont à notre portée. Bien entendu, il y a des mises à niveau à faire sur le plan de l'exploitation, puisque nos acteurs sont restés à quai depuis un an. Donc il va falloir leur inculquer à nouveau les habitudes du trafic ferroviaire. Bon, au-delà de ça, il y a bien entendu ce gros risque lié au passage à niveau qui constitue dans cette dynamique-là la contrainte majeure, puisque les passages à niveau répondent à des normes. Donc sur toutes ces questions, nous sommes dans la dynamique de trouver des solutions et je suis persuadé que cela ne nous empêchera pas de démarrer au premier trimestre 2021.